Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Il est actuellement 11h, nous sommes le mercredi 16 février et je viens actuellement de finir mon cours qui était vraiment pas passionnant. Un vlog assez chill, Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dernièrement dans les soldes. Alors je vous ai, j'ai acheté ça il y a très longtemps, il y a 2 semaines je crois, et ça attend dans le salon depuis 2 semaines pour que je vous les montre. J'en ai déjà porté quelques-uns des vêtements et je suis trop contente de tout ce qu'il y avait pendant les soldes, franchement c'était plutôt pas mal. Il y a mon ex qui est venu pour chercher, enfin pour ranger ses affaires dans les cartons etc. Donc il a pris notamment, je pense que vous pouvez voir, il manque la figurine de Orlinski avec le Mickey. Il y a juste ça que je voulais garder. Mais au final il l'a pris. J'étais un peu dégoûtée, je vous avoue, parce que j'adore cette figurine. Je peux plus la retrouver, je peux plus la racheter, je peux plus. Voilà. C'est vraiment une édition limitée. Mais bon, voilà, on va dire que c'est que du matériel. Sinon, il a pris les ampoules, il a pris aussi les poils, il a pris aussi les couteaux. Donc bah il faut que j'aille m'acheter des ampoules, des couteaux et des poils. Parce que je n'en ai pas. Du coup je vais aller à Action acheter tout ça, enfin tout ce qu'il me faut. Je vais aller aussi à Lisez acheter le couteau en question parce que j'aime beaucoup le couteau global qui coupe vraiment très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en course hier. Et voilà, écoutez le programme d'aujourd'hui. Là, je vais juste refaire un tout petit peu mon cours. Bon, alors juste remettre des titres, etc. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de titres, beaucoup de gens m'ont demandé l'application Studio. Ils la trouvaient pas sur l'App Store, etc. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Attendez, je vais vous faire un petit partage d'écran, comme d'habitude, vous connaissez. C'est donc GoDaddy Studio, éditeur de photos. C'est celui avec le petit... comme ça, là. Donc voilà, c'est celui-ci. Et il est vraiment très très bien. Ça permet, en fait, de faire les titres. Enfin, voilà, je trouve ça pas mal. De base, vous êtes là, dans cette page d'accueil. Vous allez dans Projet, vous faites Plus... transparent, et ensuite vous choisissez le format que vous voulez, et après vous pouvez inclure des textes. Donc moi par exemple j'inclus tous mes textes là comme ça, et c'est ce que je fais à chaque fois pour tous mes cours. Comme ça au moins c'est un peu plus clair, un peu plus lisible, enfin, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette fin de parenthèse, parce que beaucoup de gens m'ont demandé. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour cette vidéo, je vais réaménager un petit peu mon cours. Voilà tout ce que j'ai acheté, je suis morte. J'ai acheté sur Shein, à Primark, à Bershka, Pull&Bear, Pinky, il en manque un, je ne sais plus. Donc pour le premier t-shirt, donc je l'ai déjà porté, il est lavé et tout, enfin il part passé comme vous pouvez le voir. C'est une chemise qui a coûté, regardez les étiquettes les gars, je vous jure, j'ai tout gardé pour vous. Mais alors savoir ce que c'était tel truc... bon, je pense que vous voyez les prix, 8 euros, 6 euros, je crois que c'était 6 euros. Voilà, je pense que... je suis morte. Donc voilà, une petite chemise que j'aime beaucoup trop. En fait, j'adore les crops et j'adore la couleur. Vous me connaissez, le pastel, j'adore ça. Donc ça, je peux vous le conseiller. J'ai acheté aussi des jeans parce que de base, je devais acheter des jeans. Et j'ai acheté ce jean-là qui était à moins 70%. Il était donc il me revenait à 7 euros. Et en fait, à Pinky, vous avez 2 achetés et un et le troisième offert. Du coup, j'ai pris 6 articles à Pinky, je vais vous montrer après. Donc celui-ci, ça vient de chez Bershka. À Bershka, il faisait vraiment beaucoup, beaucoup de tops. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le jean vient de chez Pinky. Il est vraiment bien, enfin moi j'aime beaucoup. On est à l'aise quoi, donc je l'ai pris en taille 38. Ensuite il y a celui-là, c'est un top qui est vraiment assez joli. Enfin il est dos nu et tout, il est vraiment trop trop beau. Le problème c'est que ça tombe, donc j'ai pas envie de me retrouver les seins à l'air. Du coup ça je vais me faire rembourser. Je crois que ça venait de chez Bershka, c'était de base à 18 euros et je crois que ça passait à 5 ou 6 euros, donc ça je vais me faire rembourser. Ce haut-là il est vraiment trop mignon, c'est un haut à bretelles.
un peu voilà, crop comme j'aime. Il est vraiment bien serré au niveau des seins, donc ça maintient super bien, pas besoin de mettre de soutif, c'est pas transparent. Donc ça, j'adhère, je valide. Il était à 18€ de base et il passe à 6€. Celui-ci, pareil, c'est un autre haut, pas transparent, vraiment parfait pour l'été. Alors, j'ai pris beaucoup de choses pour l'été. C'est pas pour maintenant, à moins 15°, ça je pense que vous l'aurez compris. Il est vraiment trop beau, enfin vraiment, je kiffe. Il coûtait 18€, ensuite il est passé à 10€ et avec la troisième des marques, il est passé à 6€. Donc franchement... trop content. Ensuite celui-ci je n'aime absolument pas. Je n'aime pas les manches bouffantes, je trouve ça très ridicule et c'est transparent. Donc ça c'est next. De base 20 balles. Mais qui met 20 balles là-dedans? Personne, d'accord. Et là il est passé à 6€. Ce haut-là vient de chez Pinky, il était à 15€, moins 70%, donc ça me revenait environ à 4€. Je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal, plutôt quali. Et en fait vous avez, comme je vous ai dit, 2 plus 1 offert, donc j'ai pris ça parce que j'avais ça offert. Très très bien, et une belle matière en plus, je suis assez contente, la couleur elle est assez jolie. Ensuite cette chemise-là qui est transparente, on va pas se mentir, donc mettez un soutif en dessous. Ouais c'est gravé transparent. Elle est vraiment trop belle, c'est vraiment une chemise basique. J'adore la matière, j'adore les petits motifs, elle est vraiment parfaite. De base elle coûtait 20€, donc j'ai acheté à Stradivarius, je sais pas si vous l'avez dit. De base elle était à 20€, ensuite elle est passée à 12, enfin 13€, puis là à 10€. Et franchement 10€ pour une chemise comme ça, elle est vraiment trop bien, elle se froisse pas trop, tu peux faire des petits nœuds, tu peux... Non franchement je l'aime trop, elle est vraiment trop bien. Hyper à l'aise, c'est pas le genre de chemise où tu vas transpirer comme un porc, c'est vraiment une très belle chemise. Ensuite il y a ce haut là que j'aime beaucoup, c'est le même style que l'autre haut. Je meurs. Que je vous ai montré, sauf que là aussi en fait ça baille au niveau des épaules et je peux pas en fait l'ajuster. Mais j'aime trop, ça me saoule. En fait faut que je reste droite, genre comme un piqué comme ça pour pas que ça baille. Mais je l'aime trop. Parce que quand je m'affaisse, bah ça tombe. Du coup, soit on est une bad bitch, soit on l'est pas. J'en peux plus. Non mais je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Écoutez, 6€ au lieu de combien? 18 balles. Mais qui met 18 balles là-dedans? Non, je l'aime trop. Je l'aime trop. Je vais rester droite. T'as une bad bitch. Alors là, rien à voir. Hein. J'ai pris un pull crop à Pull and Bear. De base, il était à 18€. Elle était à 8€. Je l'ai pris en beige et je l'ai pris en vert. J'adore en fait parce que c'est hyper douillet. L'intérieur est tout mout-mout. Genre, j'aime trop. C'est hyper confortable, hyper chaud, hyper... hyper sportswear, moi j'aime trop. Ensuite j'ai pris cette chemise crop, pourquoi? Parce que déjà bon, j'adore les chemises crop, mais aussi pour mettre, vous savez, en dessous d'un pull manche courte, vous savez. À chaque fois j'ai ce genre de pull, j'ai toujours des chemises qui sont hyper longues, que je rentre dans le pantalon et c'est casse-couille. Du coup là, pas besoin de rentrer dans le pantalon, c'est directement crop et enfin voilà. C'est un peu transparent je crois, je sais pas trop, je mets mes mains au cas où. Je l'ai acheté... à Stradivarius, donc de base 16€, il passe à 10 et puis à 8. Donc vraiment, je suis contente, j'ai pris pas mal de chemises. Peut-être que je fasse un tri dans les chemises que j'ai pris. Parce que je crois que j'en ai pris 3, pareil, un truc comme ça. Enfin bref, je vais vous montrer. J'ai pris un haut comme ça. En fait, j'aime bien la matière, j'aime bien le côté un peu froissé. Je sais pas si je vais le garder, mais je trouve mimi en fait. Je l'ai pris aussi en noir. Et vraiment, je trouve ça choupi. On dirait une enfant qui va à l'école. Alors je pourrais pas vous remettre les références parce que vraiment je crois que ça n'existe plus. De base... Oh mais 20 balles, mais ils sont sérieux, c'est qui? Bershka, ils ont craqué. 6€, avant c'était 10€, donc voilà. Franchement la troisième des marques elle était plutôt pas mal, hein. Je suis assez contente. Donc voilà la deuxième chemise entre guillemets, blouse. Elle est trop belle, la matière elle est pas du tout la même. Je sais pas si je la garde mais je la trouve trop choupie, genre on est à l'aise, on est bien... Elle est transparente donc faudra mettre un soutif. Mais combien ça a coûté cette merde? Toujours Bershka, on suppose que ça va être à 20 balles. Oh 18 balles, ça va. Donc 18€, 10€, puis 6€. Franchement moi j'aime trop. Vas-y je garde, je suis désolée. La troisième chemise, encore une fois ce n'est pas pareil. Je suis obligée, on est d'accord que je suis obligée de garder. Je suis désolée. Attendez, ça coûtait combien encore cette merde? Alors combien ça coûtait? Toujours Bershka. 20 balles, ils sont fous. 6€. Genre 6€ quoi. Moi je dis oui. Ça c'est la chemise verte que j'ai déjà en mauve que je vous ai montré au tout début. Donc elle coûte 8€. Et donc de base... Attendez je regarde. Voilà 16€, 10€ à 8€. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'autre pull là que je vous ai montré en beige, le voici en vert. Il est vraiment très bien aussi. Moi j'aime trop. J'aime trop ce genre de truc. Ensuite j'ai pris des chouchous.
Alors attendez que je les retrouve tous. Des chouchous comme ça, avec des marguerites orange, verte, et l'autre je crois que c'était blanc. Et d'autres chouchous style satin comme ça, avec des couleurs un peu pastel de chez Stradivarius. Franchement je les aime trop, ils sont vraiment très très bien. Ah voilà, il y en a encore là. Voilà, c'est ce genre de chouchou que j'aime trop. C'est un peu bohème et tout. Enfin, moi j'aime trop. Ensuite, j'ai ce t-shirt là que j'ai la flemme de boutonner. C'est une petite chemise. Alors, c'est vraiment un double tranchant. C'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Moi j'adore les couleurs. J'adore. Voilà, j'adore les couleurs tout simplement. Donc je l'ai prise. Ça coûtait, je ne sais pas combien ça a coûté. Mais c'était pas cher, je pense que c'était dans les 5 ou 6 euros encore une fois. C'était chez Stradivarius dans mes souvenirs. Une autre chemise pleine de couleurs comme j'aime. Voilà, ça coûtait 8 euros chez Stradivarius. Je l'aime trop. Au moins on est à l'aise et tout, tu peux faire un petit nœud, summer vibes et tout, tu connais. Non, moi j'aime trop. Ensuite un tout petit haut qui vient de chez Stradivarius. Je sais même pas l'étiquette. 8 euros au lieu de 16 euros. Donc trop trop bien, j'aime trop les couleurs. Avec un petit pantalon beige ou en ensemble et tout, j'aime trop. Un petit short avec des sandales. Oh my god, en été c'est fini, ça y est. J'ai hâte, non j'ai pas hâte d'être en été, si j'ai hâte. Comme ça j'aurais fini mon année. Ah et attendez, pour finir avec Stradivarius, non c'est Pull&Bear. Je raconte que de la merde. J'ai pris un manteau de bas, je crois qu'il coûtait 35 balles. Il est passé à 16 euros. C'était le dernier, c'était une veste comme ceci. J'aime trop les couleurs. Je l'aime trop, je l'aime trop. Prince, qu'est-ce que tu fais? Non mais arrête de bouffer, mais t'es sérieux? Il a pris ma semelle, il l'a bouffé. Elle, j'en veux plus de ce chat. Où tu l'as trouvé d'ailleurs? Non mais je meurs. Donc voilà pour cette veste, elle est style oversize. Donc je l'ai pris en taille M vu que c'était la dernière. Et vraiment oversize, trop mignonne. Moi j'aime trop, je l'aime trop. Par contre, ah si, il y a des poches, pardon, j'allais dire il n'y a pas de poches. Mais si, il y a des poches. Ma vie, oh, j'adore les poches. Ensuite j'ai pris ce pantalon que vous ne voyez pas. Alors attendez, comment je vous mets? Voilà, je pense que vous verrez mieux. On est bien là, ouais on est bien. Du coup c'est un pantalon cargo. Je l'ai pas pris en promotion, il était à Stradivarius à 20 euros. J'aimais beaucoup en fait la couleur et ouais ça matche bien avec le haut. Il est vraiment trop trop bien. Non moi j'aime trop ce pantalon. Il est trop beau, il est hyper à l'aise. Et je crois que je vais avoir mes règles parce que mon ventre devient une femme enceinte. Ah ouais non mais j'avais pas prévu les règles là les gars. J'étais dans une bonne vibes là. Là c'est non, non. Enfin si ça m'arrange ce soir maintenant. Je n'en peux plus. Attendez, j'ai aussi d'autres jeans à vous montrer. Alors ce pantalon là les gars, il fait très années 90. C'est limite un patte d'éléphant. Vous ne voyez strictement rien. On est super. En gros moi je l'ai retroussé, vous ne voyez pas, je ne sais pas, de toute façon je ne vois rien, c'est trop loin pour que je vois quelque chose, je sais même pas si c'est focus. Super bien, il est bien ajusté à la taille et je trouve que c'est plutôt joli. Je l'ai acheté à Pinky, il était à 30€ moins 30%. Et comme je vous ai dit, il y avait 2 plus 1 offert, donc ça permettait d'avoir un jean offert. Et je vais vous montrer donc les robes et les combinaisons que j'ai prises. Oh j'ai plus de batterie, merde. J'en peux plus de ce haul. J'ai pris cette robe là, elle est vraiment trop choupie. Je sais pas, on dirait une... Je sais pas, mais j'aime trop. Elle est pas transparente. Non franchement j'aime trop, elle est trop belle. Donc je l'ai achetée, je ne sais pas. Je n'ai pas de prix. Je crois que c'était à Pull&Bear dans mes souvenirs. Ah non c'était Pinky ça, je sais plus. Non, Pull&Bear. Et c'était dans les, je pense, 8€. Ensuite une combi short, je pensais vraiment pas que ça allait m'aller. Parce que c'est très décolleté, tu vois. Donc il faut avoir des seins pour maintenir le tout, parce que c'est compliqué. Et ça maintient, c'est un truc de fou. C'est dos nu dans, bah, dans le dos. Et c'est vraiment plutôt pas mal. Ça a coûté 6€ au lieu de 18 balles à Pull&Bear. Encore une fois, il faut rester une bad bitch et être droite. Sinon, dès que tu t'affaisses, c'est fini, on voit tout. Alors cette combi short, encore une fois, je pensais vraiment pas que ça allait me plaire. Au final, j'aime trop. La qualité, je me disais, ah, ça fait un petit peu cheap, mais au final, pas du tout. C'est pas trop dos nu, c'est pas comme l'autre, mais vraiment, elle est trop bien, genre, j'aime bien, c'est mignon. Du coup, j'ai pris ça, c'était 6€, encore une fois, au lieu de 20 balles. Non mais ils sont tarés, 20€ ça, non mais ils sont fous. Ensuite j'ai pris ce t-shirt là sur Shein, je l'ai pris aussi en bordeaux, je le trouve plutôt pas mal, il fait pas du tout transpirer, la qualité est plutôt bien, il a coûté 5€. Donc je l'avais pris dans cette couleur là pour le haut et je l'ai pris aussi en vert, il est trop beau le vert. Ça change de fou. Donc ça, si vous en voulez, c'est plutôt pas mal. Je pourrais peut-être mettre le lien en barre d'infos. J'ai pris ce petit haut aussi sur Shein. Il est trop mignon parce qu'en fait, tu fais un petit nœud au milieu. Donc je l'ai pris en bordeaux. Je l'ai pris aussi en vert.
ça a changé, je trouve. Et je l'ai pris en blanc, par contre le blanc je le prenais pas, il est transparent, donc j'ai fait un retour. Mais vraiment, ceux-là, je pense que je vais en recommander peut-être en noir et en bleu. Ça, ça fait des petits basiques et je trouve ça assez mignon. En plus, c'est avec des petites vaguelettes juste là. Prince, mais qu'est-ce que tu fais? Vous le verrez, il est en train de faire un parcours du combattant en dessous de ma table basse. Il est en train de ramper avec ses griffes comme ça, c'est totalement con. Voilà, donc j'ai pris ça et j'ai pris aussi un autre haut qui est... Je crois qu'il est un peu petit. Donc voilà, c'est celui-là. Il est plutôt joli. J'aime bien en fait la coupe. En fait, il est en deux parties. Donc c'est plutôt joli. Peut-être un peu transparent, je sais pas. Je vois pas trop. Enfin, je le verrai, je pense, au montage. Et j'aime bien. En fait, il y a un beau décolleté pour les petites poitrines comme moi. C'est vraiment plutôt pas mal. Et ça maintient bien. On est bien, on est à l'aise. Donc ouais, ça, je peux vous conseiller aussi. Par contre, le tour de cou, là, faut pas avoir un gros cou, les gars. Moi, j'ai du mal à passer ma petite tête. Donc ça serait juste l'inconvénient. Je pense qu'en blanc, ça serait transparent. Pour Bershka, j'avais, vous savez, la chemise avec un petit effet froufrou comme ça, là, en blanc, et je l'ai pris en noir. Donc voilà, il est comme ça en noir. Et j'ai aussi acheté sur Shein un petit porte-clés comme ça pour ma voisine avec un petit truc Friends. Elle aime bien, c'était 25 centimes. J'ai pris aussi un autre porte-clés avec un petit arc-en-ciel, je trouve trop mignon. Ensuite, j'ai pris une ceinture. Elle est trop belle, la ceinture. Et pour une fois, ça ne baille pas. Donc ça, c'est le genre de ceinture que tu mets, je sais pas, au niveau d'une robe chemise ou je sais pas, un truc comme ça. Et j'essaye de vous le montrer. Bon, ça fait très très con comme ça, on est tous d'accord. Mais imaginez avec une robe chemise ou noire ou blanche ou autre. Ça peut faire vraiment trop stylé avec des petites perles et tout. Donc ça existe en blanc et en noir. Ils m'ont offert aussi un petit sac trop bien, j'aime trop. Un petit sac comme ça, si tu pars, je sais pas, chez une copine ou autre, tu prends ça. Et j'ai pris aussi des post-it transparents. Je trouve ça trop trop bien, les post-it transparents. De toute façon, moi j'adore la papeterie de chez Shein. Elle est vraiment très très bien, je trouve. Et voilà, c'est possible comme ça, transparent, tu peux écrire dessus tranquille et mettre ça dans un livre et ne pas galérer, vous savez, à voir ce qu'il y a en dessous, enfin, où est-ce que je veux dire. Ensuite, à Primark, je me suis racheté des cotons, donc les gros cotons et les petits cotons. Et j'ai pris aussi un vase fesses, enfin un vase fesses, il est comme ça en fait, le petit vase. Oh, j'adore, c'est trop mignon. Voilà, donc c'est pour mettre une petite fleur ou juste en décoration comme ça. Donc ça, je trouve trop joli. Voilà, donc ça, ça m'a coûté 3€. Et je crois qu'on en a fini. J'adore ce haut, il est trop beau. Après, il y a eu d'autres vêtements, mais je sais plus où est-ce que je les ai foutus. Parce que je les ai déjà portés. Peut-être ils sont au lavage. Ah non, il y en a ça, il y a celui-là déjà. Ça vient de chez Pinky, c'est un pull multicolore comme j'aime, en coton. Ah, j'ai pris ça, c'était, par contre c'était un peu cher, il était à 30€, moins 30%. Mais en fait, comme j'ai pris deux trucs à 30€, et ben je me suis dit, vas-y, je prends ça à 30€, comme ça, ça me le fait gratuit, vous savez, avec le jean et tout, enfin voilà. J'ai fait mes petits calculs et voilà. Sinon, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez, donc là, on est dans la deuxième partie du dressing. Avant, il y avait les affaires de mon copain, donc il était venu chercher ses affaires, et donc dans les tiroirs juste en bas, il n'y a plus rien, en haut il n'y a plus rien non plus, donc il va falloir faire une réorganisation. Là aussi dans le bureau, il y a un peu moins de choses. Son bureau, là aussi, il a pris ses affaires, donc enfin il a rangé ses affaires et il prendra tout le reste après. Mais en fait, il m'a dit qu'il savait pas s'il prenait le bureau avec le meuble en dessous, genre la planche et le meuble en dessous. Donc je vais peut-être mettre ça sur le bon coin, je sais pas du tout. Mais j'ai vraiment la flemme d'avoir des gens qui disent qu'ils vont venir alors qu'ils vont pas venir. Bidule, chouette, genre c'est chiant. Du coup je sais pas trop quoi en faire. J'espère qu'il va le prendre, parce que je vais pas garder ça. Enfin, ça fait joli sur, ça fait vraiment joli sur dans le bureau et tout, avec cette longue planche. Mais je sais pas si c'est vraiment adapté là avec ma vie actuelle. Donc peut-être je vais faire un endroit, je sais pas, make-up ou... Je sais pas du tout, franchement je sais pas. Donc ça ferait bizarre un endroit make-up dans un bureau. Enfin voilà, en plus après il va prendre le piano qui est juste derrière vous là. Et j'ai un copain qui m'a envoyé une photo de Action qui vendent des ampoules, vu que c'est la semaine d'Action, des ampoules avec multicolores. Donc voilà, en plus je veux trop mettre des LED dans mon appartement. Genre je vais peut-être en acheter soit chez Xiaomi, soit sur Shein, ils sont pas très chers. Ah, il a pris aussi le Rémi qui était là-haut. Donc je vais essayer de mettre le Picsou là-haut. J'espère que ça va tenir parce qu'il est en bronze. Et du coup, il est assez lourd en fait. Est-ce que déjà ça passe au niveau... Oh, je le sens pas du tout. Pousse-toi, petit palo. Ah, ça va être un peu just. Oh mon dieu, mais il est vraiment trop grand mon Picsou, j'adore. Bon bah tu seras pas là, voilà, je suis désolée que tu seras pas là, mais j'aimerais bien l'avoir en visu. Donc il m'a laissé son petit Mickey là, je sais pas pourquoi, il le voulait plus.
On va passer un petit coup de chiffon. Mon petit clap. Ma figurine. Genre, c'est vraiment trop lourd. Genre, je pense que ça va... Oh, attendez. Ah non, ça va. Oh, je sais pas. Attendez. Non, mais ça va jamais tenir. Non, ça va jamais tenir, jamais de la vie. Bah du coup, je suis obligée de le mettre là-haut, là, à droite. Mais ça me fait chier, hein. Mais pour l'instant, je vais le laisser là, écoutez. Et je vais réagencer un petit peu la bibliothèque dans tous les cas, donc... Voilà. En soi, c'est bien là aussi, mais juste, je le vois pas, quoi. C'est juste ça, je le vois pas. Faut aller se faire rembourser les articles, faut que j'aille à Action. Ouais, d'abord Action à Dizelis, après je finirai par Bellet. Pour me faire rembourser de tous les articles. C'est parti. Il faut que j'aille faire aussi des courses à Lidl. Donc je vais partir. Je viens de me rappeler qu'on est mercredi. Donc mercredi, plein de gosses dans les magasins. Je suis ravie. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir vous filmer quelque chose. Enfin, si je filme quelque chose, je vous filmerai avec le téléphone. Parce que s'il y a du monde, ça va vite me saouler. Et j'étais en train de chercher mon diable. Vous savez, celui que j'utilise tout le temps pour mes courses et tout. Et je viens de voir en fait que mon ex, il a pris. J'avais pas capté. Le problème c'est que le diable c'était mon beau-père qui me l'avait donné là pour le père de mon copain non, enfin de mon ex, parce qu'il le voulait plus. Du coup j'hésite à en acheter un autre. En fait je sais pas. C'est ça qui est chiant, c'est qu'on sait pas. Je déteste ce genre, cette phase, vous savez, où on sait pas ce qui prend, ce qui prend pas. Bref, je vais à Action, je vais me faire rembourser après à Bershka et tout le bordel. J'ai faim, je vais manger un truc aussi avant de partir parce que si je fais les courses avec le ventre vide, ça va pas le faire. Bon, je viens de rentrer, il est actuellement 16h30. J'ai pris pas mal de choses. J'ai l'impression que c'est un vlog haul. Moi, bon, je pense que vous aimez bien les vlogs haul. J'ai pu filmer quelques petites choses assez pépites. Je trouvais ça plutôt pas mal, genre Action, ils ont fait une belle corbeille et tout. Enfin bref, je vous ai montré. J'ai bien aimé, mais il y avait quand même pas mal de monde. Alors, où est-ce que je peux vous poser? Je vais vous poser au spot unboxing, comme ça, ça sera fait. Il n'y a plus beaucoup de lumière. De toute façon, aujourd'hui, c'est un peu la dèche au niveau de la lumière. Mais bon. On va commencer par Primark. J'ai trouvé des petites pépites, notamment cette fabuleuse chose, un tote bag Donald. Écoutez, que demande le peuple, ma personne ravie. Ensuite, je me suis pris un porte-monnaie, c'est le même que j'ai actuellement, mais non, c'est pas le même. C'est un autre format, je crois. Je sais plus. Non, je crois que c'est le même, mais dans une autre couleur parce que le mien il s'est pété. Ensuite, je me suis pris une bougie. Elles sont vraiment bonnes, celles de Primark, je trouve. Elles sont meilleures que celles de Majoli Candle ou Yankee Candle. Une bougie comme ceci, j'adore ce style d'objet, de décoration. Je trouve ça trop trop beau. En plus, c'est ASMR, donc moi j'aime trop. Celle-là, elle a coûté quand même 6€. Et j'ai acheté un tote bag immense comme celui-ci. Il y a marqué Harvard dessus. Donc voilà, j'aime bien. Pour les anciens qui sont là sur ma chaîne depuis très longtemps, je pense que vous savez ce que Birdie fait actuellement dans le nez, dans le sac de Action. Il n'y a pas de gourmandise, Birdie, parce qu'à chaque fois que j'allais à Action, je lui achetais toujours une gourmandise, et là, elle cherche ta gourmandise. C'est incroyable, hein, ça fait longtemps que je t'ai pas fait ça, hein. Et tu t'en souviens encore, mon chien? T'es vraiment trop forte, tu sais. Oui, t'es vraiment trop forte. T'es incroyable comme chienne. T'as trop de mémoire. Du coup, j'ai acheté un immense tote bag Harvard. Il est trop trop beau, très bonne qualité, il a coûté 10€.
Et voilà, c'est bien, c'est pratique pour faire les courses et tout. Franchement, moi j'aime trop ce genre de tote bag. J'ai le Mickey et franchement, j'utilise tout le temps. Je suis passée à Alice Delis et je voulais acheter mon couteau, le global. Non, Verdict, mets pas ton pif là-dedans. Le global qu'on a ici, il n'y avait plus en magasin. Du coup, j'ai pris d'autres couteaux. Je pense qu'ils sont bien aussi. C'est la marque Alice Delis. Donc voilà, c'est français. Tout est made in France. Donc voilà, j'ai pris un couteau d'office et un couteau chef. Donc le couteau chef, c'est pour tout ce qui est légumes, viande, etc. Et ça, c'est plus pour les petites choses, pour peler, pour les fruits, les légumes, enfin voilà, pour les petites choses. Le couteau d'office, il coûtait 27,99€ et le couteau chef, il coûtait 38,99€. Donc c'est pas des couteaux donnés, mais franchement, je préfère mettre un petit peu plus cher dans des bons couteaux que d'acheter de la merde. J'ai regardé à Action et tous les couteaux qu'ils proposaient, je les avais déjà testés et ils sont tous rouillés, ils sont tous... Enfin, c'est vraiment de la merde. Ça, j'espère que ça va être bien. En tout cas, si vous achetez ce genre de couteaux, faut pas les mettre au lave-vaisselle, faut les laver à la main. Et en fait, il y a quelque chose que je voulais m'acheter depuis très longtemps, c'est ce petit shaker. Je vois rien. C'est un shaker comme ceci. En gros, on peut faire des pancakes et des gaufres et des crêpes très facilement. En fait, tout est gradué et mesuré. Ça, c'est vraiment pas mal. Je l'ai vu il y a très longtemps ça, mais c'était hors de prix à l'époque. Là maintenant c'est 20€, avant c'était genre une quarantaine d'euros, ça c'était beaucoup trop cher. Et là c'est 20€, mais je pense que vous devez connaître ça. Et moi comme vous connaissez ma passion pour la cuisine, je suis une flemmarde, je déteste faire à manger et du coup ça je pense ça peut être plutôt pas mal. En fait voilà, vous avez là pour la crêpe vous avez des graduations, donc là par exemple il faut mettre tout ça de lait, ensuite il faut mettre ça de farine, plus 2 œufs et ainsi de suite pour tout ce qui est voilà, gaufre, etc. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Amazon. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'en fait, t'as juste à shaker, donc t'as pas de grumeaux. Et si t'en as, et ben t'as quand même un truc comme ça pour filtrer. Non, je trouve ça vraiment pas mal, c'est bien fait tout. Franchement, ouais, moi j'aime beaucoup. Donc je me suis fait un petit plaisir, c'était mon cadeau d'anniversaire, voilà. Je suis allée à Ikea et il y avait une petite promotion concernant les fleurs. Donc c'était la troisième offerte de Calancoé. Donc j'ai pris trois Calancoé, une orange, une rose et une blanche. Ça je vais les installer dehors et peut-être une à la maison. Et j'ai acheté aussi deux bols, je les ai trouvés vraiment trop beaux. C'était 2,49€, ils sont comme ça. Franchement, ils ont fait une belle collection à Ikea et je les trouve vraiment trop beaux. J'espère que Prince va pas me casser mes bols. On va les mettre en sécurité. Ah oui, parce qu'il a cassé mon vide-poche aussi. Non, mais vraiment, il a tout cassé ce chat. Ensuite, j'ai pris un vase, mais que je vais utiliser en verre. Grand pour tout ce qui est cappuccino et tout. C'est plutôt pas mal pour moi. Donc j'en ai pris un seul pour voir ce que ça donnait. Je vais peut-être en prendre un autre la prochaine fois. C'était 3€. Et ils sont vraiment bien, donc si vous voulez faire par exemple du matcha ou des cappuccinos, je vous conseille des grands verres comme ça. Enfin, c'est un vase, mais ça peut faire en verre. Ensuite, à H&M, j'avais en fait un bon de 25% sur Assez de Coffee, parce que c'était mon anniversaire. Après, ça, c'est à double tranchant. Moi, j'adore ce genre de vase. Voilà, c'est vraiment à double tranchant. J'ai acheté ce vase-là, ça fait un peu flipper, j'avoue, à H&M. Il coûtait de base 24,99€, j'ai eu à moins 25%. Donc à peu près 20€, donc même un peu moins de 20€. Donc ça je pensais peut-être le mettre au-dessus de mes étagères là-haut en attendant qu'il y ait quelque chose. Et peut-être mettre une plante, vous savez, qui tombe. Donc ça j'achèterai ça à Truffaut la prochaine fois. Ensuite j'ai pris une autre bougie. Là c'est pas du tout pour la senteur, parce que ça me sent... Ah, ça sent quelque chose. C'est plus pour le design, j'aime beaucoup trop, je la trouve trop belle, donc c'est une bougie. Voilà, j'ai pris ça, c'était 10€. Alors, à Action, j'ai acheté quand même pas mal de choses. J'ai acheté une petite carafe qu'on peut mettre dans le frigo. Moi, j'aime pas les carafes où en gros, il n'y a pas de couvercle. J'ai besoin d'avoir un couvercle, enfin, je trouve ça beaucoup plus hygiénique. Donc quand je ferme des jus d'orange pressés, ça fait très longtemps que je m'en suis pas fait. Ou des smoothies, ou des choses comme ça, ou un thé glacé par exemple, bah, au moins je peux mettre ça là-dedans. Alors ça, c'était 2,99€. Ensuite j'ai pris voilà les masques pour les lèvres hydrogel, c'est 69 centimes dans mes souvenirs. Essayez, testez ce gold et ce hydro machin là, je sais pas quoi. Ils sont vraiment bien, donc j'en ai pris un pour ma voisine. Je vais le mettre de côté. J'ai pris ensuite un ciseau qui coûtait 72 centimes. J'ai pris
des rouleaux pour les poils parce que je ne sais plus où est-ce qu'ils sont passés. Ça c'était 79 centimes. J'ai pris une bougie, elle était trop, elle sentait trop bon. Ah, c'est une bougie anti-tabac. Je meurs. C'est une bougie que je vais mettre dans les chiottes parce qu'elle sent vraiment très très bon. Même sans être allumée, elle sent super bon. Du coup, voilà, j'ai pris... Elle est jolie, je trouve, la bougie. Elle coûtait 1,69€. Non, elle est pas très très belle, mais c'est pas grave. Ça va être dans les chiottes, en haut. Ensuite, j'ai pris 5 fois des ampoules comme ceci. Alors, ma voisine, elle m'a dit que c'était pas assez au niveau des watts. Il y avait que ça, en fait. C'est 12 watts. Elle m'a dit que c'est plus pour les lampes de chevet. Écoutez, j'ai pris ça parce qu'il y avait vraiment que ça dans le rayon, ça peut dépanner. Ensuite, j'ai pris des feutres pour les tableaux Velleda. Pourquoi j'ai pris des feutres et j'ai aussi pris le tableau blanc, là, Velleda. Tout simplement parce que quand je vais chez mes voisins, je leur raconte toute ma vie, tout ce qui est amour, sexe, etc. Enfin, je leur raconte tout. Et du coup, des fois, on s'y perd. Donc, il faut noter sur un tableau ce qui se passe dans ma vie, faire des schémas, etc. Du coup, à chaque fois que je vais les voir, je ramènerai mon tableau, mes petits feutres, et je ferai des petits schémas et je dessinerai les hommes qui m'ont brisé le cœur. Et je suis morte. Parce que à chaque fois que je vais chez eux, je leur dis tout le temps, il manque un tableau Velleda pour faire notre plan stratégique, quoi. Donc, j'en ai pris un à Action. Les feutres ont coûté 99 centimes et le tableau blanc 5 euros. Et les ampoules ont coûté 3,69 €. Maintenant, je vais vous montrer les poêles que j'ai prises. Oui, ça, j'ai pris aussi des piles pour mes voisins. J'ai pris donc des poêles. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, des poêles comme je voulais, avec un revêtement pierre et induction. C'était un peu galère. Poêles comme ceci. 20 cm, je pense que... En fait, j'adore les petites poêles parce qu'au moins, enfin, c'est pas trop chiant à nettoyer. Ensuite, j'ai pris une carrée comme ceci. Je la trouve trop belle, en fait, celle-là. Voilà, et j'en ai pris un beaucoup plus gros. Enfin, une poêle. On dirait un poêle ou une poêle? Une poêle, hein. Donc, une beaucoup plus grosse comme ceci. Voilà, donc ça, c'était 10 €, 8,95 €. Et l'autre, c'était, je crois, 6 €. Donc voilà, j'ai pris ça en poêle, au moins je vais pouvoir me faire à manger. Donc bah écoutez, voilà pour ce haul Action. Je vais ranger, Birdie, tu vas te faire mal. Je vais ranger toutes mes affaires. Allez, pour celles et ceux qui me demandent le rouge à lèvres que je porte, que depuis ce matin, et j'ai mis le masque, etc. et ça tient toujours, c'est le rouge velvet rose et merveille de chez Bourjois. C'est celui-là. Oh, YouTubeuse beauté de 2005, j'adore. Donc c'est celui-ci, il est vraiment bien, vous avez toute la gamme que je vous avais présentée la dernière fois. J'utilise beaucoup le rouge, mais vous avez aussi le fuchsia et le belle inconnue. Donc voilà, c'est vraiment des très bons rouges à lèvres, donc je peux vous les conseiller. J'ai beaucoup dépensé, je suis pas du tout ravie. Donc je vais essayer mes ampoules, on va tester ça, si c'est bien ou pas. Aussi, je suis allée à la Fnac et à Cultura pour chercher les livres Harry Potter, là, les collectors. Mon ex, il les a pris. Du coup, je voulais les racheter et en fait, il n'y en a plus. Donc, je suis vraiment dégoûtée. En fait, il a pris tout ce qui était collector. Voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça dans les séparations. Il y a toujours, toujours des petits couacs, mais bon, il faut faire des concessions pour acheter des ampoules et des poêles et des couteaux. Et c'est de retrouver ces putains de livres que j'aimais beaucoup, ceux d'Harry Potter là. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. On va pas chialer pour des livres. Alors, essayons cette sublime ampoule de 12 watts. C'est même plus un vlog, c'est un haul, frère. Attendez, je vous pose. Oh, mais ça va! Elle m'a dit 12 watts, mais c'est trop lumineux même, j'ai envie de vous dire. Mais 12 watts, c'est bon. Et ça m'a raconté ma voisine. C'est encore plus lumineux que ça. Bah écoutez, moi ça me va, hein. Si c'est ça, ça me va. Hein. Regardez comment je suis blanche. Je suis un fantôme. Bon bah go essayer avec, avec le couloir. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, mais on voit grave bien. Mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté, ma voisine? Elle a pété un câble. Je vais aller lui dire. J'aurais même peut-être dû prendre les 8 watts pour vous dire. Je suis lumineuse. Genre la lumière elle est bonne, je peux filmer à 23h, la lumière sera bonne. Bon, j'ai fait les courses, je vais vous montrer tout ça. J'ai pris pas mal de surgelés, genre des nouveautés.
Alors c'est très cher pour ce que c'est, on va pas se mentir hein. Pour les surgelés j'ai pris des palets de légumes, c'est ce que je prends habituellement. J'aime beaucoup trop ça, c'est très facile à cuire. Ça c'est de la tartiflette surgelée, donc ça va mettre une heure quasiment au four avec reblochon, pomme de terre, lardon fumé. J'ai trop hâte de goûter ça, j'adore. Ensuite j'ai pris du gratin de chou-fleur. On peut le faire soi-même, je vous le confirme, mais là vraiment flemme. Du coup j'ai pris ça en surgelé, je crois que c'était 2 ou 3 euros à chaque fois. Du gratin dauphinois, crème fraîche et menthe. Et là je sens des petits palets à l'intérieur, je sais pas tout ce que c'est. C'est de la poêlée quinoa et boulgour. Donc j'avais envie de tester, écoutez j'adore le quinoa, donc voilà. Pour le restant j'ai acheté des petits surimi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté. Un millefeuille que j'ai déjà entamé, des yaourts au chocolat, des petits noyaux au chocolat comme d'habitude. J'ai racheté aussi des sandwichs pour demain puisque j'ai pas beaucoup de temps pour manger, donc j'ai pris deux sandwichs. J'ai pris des lasagnes, j'ai pris du coca aussi. J'ai pris des pavés au roquefort, c'est super bon ceux-là, ils sont vraiment très bons. De la pizza au chef, pizza, je sais plus ce que c'est, enfin une autre pizza, et une pizza à la raclette. J'ai pris ensuite de la salade, j'ai pris vraiment beaucoup de malbouffe. Une boîte d'œufs dont un que j'ai cassé malheureusement. J'ai pris aussi pas mal de fromage. J'ai pris deux fois les caprices des dieux, du fromage comme ça bio de chèvre, du boursin en x2, je sais pas si vous voyez. J'ai pris cela là. Et j'ai pris aussi du Saint-Albret. J'ai pris de l'eau et du jus d'orange et du lait qui sont encore dans la voiture. Voilà, j'ai pris des clémentines, du raisin sans pépins à la base et des courgettes. Donc moi ce que je me fais le matin c'est que je mets des clémentines, je les coupe en petits morceaux avec du raisin. Il y a aussi des bananes que j'ai rachetées avec des avocats. Et en gros, oh il est déjà mûr. Et en gros je me fais une petite salade, enfin une petite salade de fruits le matin avec des yaourts bio vanille. C'est super bon, franchement ça y cale super bien le matin. Donc avec des petits muesli aussi au dessus, c'est super bon. Donc voilà ce que j'ai pris, je crois que j'ai rien oublié. Oh mon chachaou, j'ai mis donc mes petites fleurs dans un vase. J'aime trop quand il y a des fleurs sur ma table. Qu'est-ce que t'as mon chachaou? J'ai mis donc le vase au-dessus. Genre je trouve que ça le fait. Ouais ça le fait. Je mettrais une petite plante qui tombe. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Voilà le vide-poche qu'il a pété mon chacha. C'était ma belle, enfin la mère de mon ex-copain qui me l'avait acheté et ben voilà. Là ici j'avais un petit peu plus de place donc j'ai mis mes meubles préférés ici avec Bichette, Monsieur Astro, Maison du Monde et Starbucks. J'ai mis aussi les autres, enfin j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai tout rangé. J'ai mis aussi mon shaker tout en haut avec la carafe tout en haut. Ça fera peut-être que j'utilise, c'est pour mettre du muesli et du fromage blanc. Oh il est pas content lui. T'as plein de tignons mon chacha, on va faire un brossage express là parce que c'est plus possible. Il faut que je range tous ces vêtements. Pour les couteaux, alors je vais vous les montrer, ils sont super jolis. J'aime beaucoup le manche en bois comme ça, il est vraiment très très beau, je crois que c'est du chêne. Et je trouve que c'est les deux bons formats de couteaux, je pense pour la cuisine, c'est plutôt pas mal. Et en fait, cette bougie là, quand je vais la terminer, ça sera donc mon vide-poche à l'entrée. Super joli, vous pouvez même faire mettre une petite plante à l'intérieur. Donc voilà déjà pour tout ça. Je sais pas quelle heure il est. Mais j'ai super faim, il est que 17h43. J'ai très faim et j'ai de la tartiflette dans le frigo. Bah du coup on va se manger une tartiflette à 6h moins le quart. Pour les courses j'ai oublié de vous montrer aussi. J'ai acheté des petits poireaux et je vais vous montrer aussi le cellulette. J'ai acheté des petits gâteaux. J'ai racheté des petits lus. Donc c'est super pratique pour emporter à la fac. J'ai racheté des pommes potes et des petites crêpes poireaux, j'en avais plus. Donc comme ça j'ai fait un petit plein. Et voilà, j'ai racheté du coca, des princes aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour dans les courses. J'aime trop mon cellulette, il est trop trop beau. Bon, il est actuellement 19h, je vais aller voir mes voisins pour leur amener les petits cadeaux, les petits trucs que je leur ai achetés. Et je vais boire un café chez eux. Genre, ce qui est trop bien, c'est que genre je peux y aller en pyjama, genre vraiment en tenue vraiment... Des fois j'y viens en licorne, voilà, j'aime bien leur faire des petites surprises, je viens en licorne. Et la fois je suis venue avec un plaid de Noël vraiment dégueulasse. Et à chaque fois je viens comme ça et c'est super bien parce que je suis hyper à l'aise avec eux, c'est mes meilleurs amis et ils habitent juste en dessous de chez moi, donc c'est vraiment trop trop bien. Donc je vais aller les voir, je vais aller boire un petit café. J'ai mangé ma tartiflette, je suis ravie, voilà tout le monde est ravi. Est-ce que tout le monde s'en fout? Bien évidemment comme d'habitude. Voilà, écoutez, je vais ramener le tableau Velleda.
Je suis sûre qu'ils vont rigoler quand je vais ramener le tableau Velleda. Qui est comme ceci le tableau, je sais pas si je vous l'ai montré, il est comme ça. Et puis bah c'est parti, hein, écoutez, on va faire un historique de ce qui s'est passé cette dernière semaine. Au moins une fois par semaine je viens chez eux et je leur fais un topo vraiment de ma vie. Et là c'est le moment de faire un gros topo parce que il y a des choses à dire. Donc heureusement que j'ai le tableau Velleda pour illustrer parce que c'est pas possible sinon. Alors nous sommes le 2 jours après quand même. J'ai lancé une machine quand vous pouvez l'entendre et je suis allée à la muscu, je me suis niqué le cou. J'ai fait un faux mouvement, ça m'a fait trop mal. Bref, j'ai dormi aussi 13 heures, c'est un truc de malade. Aujourd'hui c'est fou, vraiment c'est fou. J'ai dormi 13 heures, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça repose un petit peu le cerveau et voilà quoi, écoutez. Je devais aller à Costco aujourd'hui avec ma soeur sauf qu'elle ne peut plus. Du coup le programme d'aujourd'hui ça va être du ménage et du repos et aussi travailler mes TD. Je vais vous laisser là, j'espère ça. Sincèrement que cette vidéo vous aura plu, désolé vraiment pour le bruit de fond. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo si je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.